Eh bien, salut tout le monde, ici c'est Olsam62. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pardon, excusez-moi, là c'est plutôt une petite série de vidéos Let's Play sur la démo, le playable teaser de Silent Hills. Donc, ben voilà, c'est une démo qui avait été annoncée à la Gamescom par Monsieur Hideo Kojima. Donc, je crois que la conférence l'avait dit comme quoi il finançait un jeu pour un développeur indépendant. Et la réalité est tout autre, c'est que ben, cette démo, c'était pas la démo d'un futur jeu d'un développeur indépendant, c'était un teaser jouable pour annoncer Silent Hills, enfin, développé par Kojima Productions, avec l'aide de Guillermo del Toro et l'acteur principal de Walking Dead. J'ai même plus son nom en tête, c'est un scandale. Enfin voilà. Donc bah, je m'étais dit, bon, ça serait pas mal de faire des petits let's play dessus. Donc ça dure un petit moment, il y en a pour 30-40 minutes, je crois. Et je pense en faire des vidéos de 10 minutes, comme je suis limité en temps maintenant sur ma chaîne. Et je sais que aussi vous êtes nombreux à adorer particulièrement des let's play sur les jeux d'horreur. Vous avez bien aimé les vidéos sur Outlast. Je me suis dit, bah, comme c'est un jeu d'horreur et qui est disponible gratuitement, autant si jeter. Allez, je me lance. Qui a ouvert la porte? Bon, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques heures sur ma chaîne, vidéo gameplay, sans commentaires, sans rien. Et en faisant cette vidéo, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de faire un petit let's play. Donc, en plus, ça fait un moment que j'ai pas proposé de vidéo autre que Dust, et je peux comprendre que certains, ça les a un peu saoulés. Donc là je diversifie et je fais un let's play dessus. Moi ça me fera plaisir, j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Alors ça c'est un lieu qu'on va fréquenter très très souvent, enfin quasiment tout le temps dans le jeu. But reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who he shot in the stomach, was pregnant at the time. Police arriving on scene after neighbors called 911 found the father in his car listening to the radio. Several days before the murders, neighbors say they heard the father repeating a sequence of numbers in a loud voice. They said it was like he was chanting some strange spell. There was another family shot to death in the same state last month, and in December last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. In each case, the perpetrators were fathers. State police say this string of domestic homicides appears unrelated, though it could be part of a larger trend such as employment, child care, and other social issues facing the average family. Intéressant. Alors, excusez-moi de l'écho, c'est que le son de la télé était encore allumé à côté. Avancez tranquillement. Là, je l'ai coupé, donc ça ira nettement mieux. Il est toujours 23h59. Elle est fermée. Voilà.
Y a peut-être quelqu'un ici. Bonjour, petit cafard. N'y a rien, on va avancer. Même pas. Rien du tout ici. Un chèque à chaque passage et un indice à trouver. Ah bah la porte est assez ouverte. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a ouverte? Je pense que c'est le fantôme de la fille là. Qu'on risque de voir un peu plus loin. C'est très étrange. Va continuer à avancer. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh la porte! Non! Tra, ça c'est moche! Alors certains vont se dire, mais merde, c'est un niveau répétition. En fait, non, c'est pas vraiment un niveau répétition. C'est qu'à chaque fois qu'on va passer cette porte et descendre les escaliers, eh bien, on va arriver de nouveau dans ce couloir, mais avec des événements totalement différents. Et de nouveaux indices à trouver. Donc là, je sais même plus lequel. Ah bah, une porte qui s'est ouverte. Ça fait 2 jours que j'ai joué. Ah, si ce passage, ça me dit bien quelque chose. Oh! Salut! Donc il faut que je passe par là. D'accord, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Oh, mais c'est toujours le même endroit, dis donc. Alors, franchement, le visuel et le sonore pour cette démo teaser, c'est super bien foutu. Ah, et... Je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Je me casse. Parce que la musique, elle est vraiment pas rassurante. Et ça, je me dis, finalement, ce Silent Hill avec Kojima et Guillermo del Toro manette, ça va être sympa, je pense. Et j'espère qu'ils le feront à la première personne, comme c'est le cas là dans le teaser. Ferme pas la porte, c'est pas cool. Oh, bonjour toi. J'entends quelqu'un sur ma gauche. Vous avez vu ça, un mort-né, enfin, c'est dégueulasse. Hein.
Oh. Alors, vous avez vu un petit truc marrant, c'est qu'on voit pas le visage du perso. Et ça sera la petite révélation à la fin de notre périple. Si on y arrive, en chair et en os. Ah oui, là c'est le passage Krynios que je déteste à mort. Place while the family was gathered at home on a Sunday afternoon. Don't touch that dial now, we're just getting started. Retrieved the rifle and shot his wife. His son came to investigate the commotion, the father shot him too. His six-year-old daughter had... J'ai horreur de ce passage-là. Bien dans le noir et tout, ça me rassure pas. Allez, on se concentre et tout ira bien. This brutal killing took place while the family was gathered at home on a Sunday afternoon. Don't touch that dial now, we're just getting started. Retrieved the rifle and shot his wife as he was cleaning up. Pas tout pour la photo. Non. Il va me choper. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je ne sais pas ce qu'il faut faire à ce moment-là. Donc là, je crois que je me suis fait posséder. Mais ouais, je sais qu'il y avait un truc avec le portrait des mariés, là. Qu'il fallait regarder impérativement parce que je crois que l'œil de la mariée se crève, un truc comme ça. Et donc là, si j'ai bien compris, je me suis fait posséder. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? I walked. I could do nothing but walk. And then, I saw me, walking in front of myself. But, it wasn't really me. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? C'est un truc de fou. Un truc de fou. Allez, on est reparti. On va essayer de découvrir le pourquoi du comment, pourquoi je me bloque